ramène mon cœur au trou afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trou afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trou afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta Merci Jésus, merci Père pour ta grâce, merci pour la vie, merci pour ces jours nouveaux. Bonjour, bonjour à tout le monde. Le Seigneur te bénisse. Je remets mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni. Meradias mansaros teka. Lor metawa ines maras. Lo itresto krozo. Biasman alikumwa in elmadei. Borestoi. La man sacrezo, brestei. Commence à bénir le Seigneur en langue ce matin. Barutawa ines marozan. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Que ce soit une nouvelle Pentecôte pour toi aujourd'hui. Kumrazan wa ines marot. Galialau eloitaida wa asman radei. Lo in ekroven wa isparos mantaudalia. Lo maresperazen wa ines morado. La itres man sharika wa idres mora vo de la es. Man la u es mora u. Gemares man sharita u dalesta. Warabuni filikensa u dawa enes mali fadeita. Loma in cross menau. La dauta wa ines provedas. Man shikaros man adena ta wa inas paruzena. Wa enalos men augei. La bros men edekata wa anabarus man shariten. Warabana utol frazenat, gurpias manchiraster, in krameras prozedar wa ines marita udal fala zen sa maroka, bera in au alvenasta wa in esprozen. La Bible dit en toutes choses, soyez reconnaissants. Ils ont merci à Dieu pour ce nouveau jour, merci à Dieu pour la vie, merci pour les souffles, merci pour la restauration. Vous savez, pendant que nous sommes ici en train de prier, d'autres sont malades, peut-être même qui étaient avec nous hier, qui ne sont plus capables d'être assis ici. D'autres sont morts. Nous allons demander à Dieu. D'autres ont voulu être là, mais la paresse les a cloués au lit. D'autres, le sommeil les a cloués au lit. Mais toi et moi, nous sommes ici pour accomplir ce qui est juste devant le Seigneur. Disons-lui merci ensemble. Seigneur, te bénissons et te disons merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour l'être et le mouvement. Merci pour le souffle que tu nous donnes, personne n'est comme toi. Nous t'adorons et nous te célébrons. Seigneur, nous voulons tout simplement apprécier ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons tout simplement dire, Seigneur,
Nous voulons te servir tous les jours de notre vie. Merci pour cette nouvelle journée. Nous voulons bénéficier de cette journée en présence de Dieu dans tout ce que nous ferons. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit de mettre dans nos cœurs en cette journée la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous irons, que la crainte de Dieu nous dirige et nous conduise. Demandons que Dieu nous donne sa crainte pour nous éloigner du péché, nous éloigner de toute voie tortueuse, de toute mauvaise association, de tout mauvais acte, de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise parole en cette journée. Que l'Esprit de Dieu nous dirige dans la sainteté et la crainte de Dieu. Nous sommes dans la prière. Seigneur, que nos cœurs soient droits devant toi en cette journée. Ôte-nous les cœurs mauvais et donne-nous de bons cœurs, un cœur de chair en ôtant le cœur de pierre. Rends-nous capables de t'aimer en cette journée. Rends-nous capables, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie, de marcher dans la sainteté. Éloigne-nous du péché. Éloigne-nous, Seigneur, de toute mauvaise entreprise, de toute mauvaise association. Éloigne-nous de toute mauvaise décision, de toute mauvaise parole et de toute mauvaise action. Rends-nous conscients, Seigneur, de la responsabilité chrétienne vis-à-vis de Dieu à marcher en nouveauté de vie, dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté. Seigneur, merci parce que ta crainte nous distingue et nous fait brûler comme des flambeaux dans notre génération cette journée. Au nom souverain de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Nous disons merci à Dieu. Si vous avez fait la foi, avec foi, cette prière, aujourd'hui le Saint-Esprit vous dirigera loin du mal et vous conduira dans les voies du Seigneur. Nous allons demander à Dieu que la connaissance de la parole que nous recevons ne fasse pas d'une des personnes oisives, que nous ne soyons pas oisifs avec la connaissance de la parole. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la nouveauté que la connaissance de la parole de Dieu crée en nous. C'est-à-dire que la nouveauté d'esprit. Nous allons prier, Seigneur, que la parole que nous avons écoutée, la parole que nous écoutons tous les jours ici, Seigneur, donne-nous par l'Esprit de Christ de la mettre en pratique. Nous voulons que notre vie soit proportionnelle à la parole que nous avons. La pratique de ta parole dans nos vies soit proportionnelle à la connaissance que nous avons de celle-ci. Seigneur, je veux marcher d'après la connaissance que j'ai de ta parole. Parce que la parole peut être en nous et elle est stérile. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, biasman ita uda le foras, beloika wa inesman eloiki filishman charita. Je prie au nom précieux de Jésus. Pour moi, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que la connaissance que nous avons de ta parole ne soit pas stérile. Nous ne voulons pas être des personnes qui connaissent ta parole, mais qui ne vivent pas ta parole. Nous ne voulons pas être des personnes qui écoutent ta parole, qui se sacrifient pour ta parole, mais qui, au final, ne mettent pas en pratique ta parole. Seigneur, nous voulons mettre en œuvre tout ce que nous avons écouté de toi, Seigneur, pour vivre selon la vie que tu veux que nous vivions. Seigneur, je prie au nom de Jésus, en tant que prédicateur, donne-moi la grâce de vivre l'évangile que je prêche, que ma vie soit conforme à la parole que je prêche. Seigneur, épargne-moi pas du mal, épargne-moi pas du péché, épargne-moi pas de l'égarement. Ne permets pas que mon cœur s'égare loin de toi, loin de ta vérité, loin de ta justice, loin de ta présence et loin de ta maison. Seigneur, si mon cœur veut m'égarer, que ton esprit me ramène et me saisisse pour me maintenir sur le droit chemin. Brèche près de crash men aideras. Je prie pour mes frères et mes sœurs. À chaque fois, Seigneur, que leur cœur voudra les égarer loin de toi. Seigneur, maintiens-les par ton esprit dans ta vérité. Merci parce que tu es vivant. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Si on a fait cette prière ensemble dans la foi, l'Esprit de Christ nous mènera loin du mal, il maintiendra nos cœurs dans la justice de Dieu et nous amènera à mener une vie selon Dieu et non plus selon nous ou bien selon le monde. Il nous éloignera de la conformité au monde en ces journées et pour le restant du temps que nous avons à vivre sur la terre. Que cette grâce nous soit donnée d'abonder dans les fruits de l'Esprit. Nous allons prier maintenant selon Galates 5, verset 22. Oui, que les fruits de l'Esprit nous soient donnés. La patience, la bénignité, la bonté. Et donc, selon Galates 5, 22, que toute la maîtrise de soi, que ces fruits de l'Esprit, les neuf fruits de l'Esprit,
nous soit donné, que nous abondions, que notre vie produise le fruit de la repentance. Que la repentance en nous ne soit pas seulement une repentance formelle, qu'elle ne soit pas une repentance confusionnelle, qu'elle ne soit pas juste sur le plan des escaparates, c'est-à-dire que de la façade. Mais Seigneur, que ma vie chrétienne produise des fruits dignes de la repentance. Oui, qu'on voit en moi le pardon, qu'on voit en moi l'amour, qu'on voit en moi la bonté, qu'on voit en moi la bénignité. J'ai peut-être ce genre de chrétien qui est chrétien, mais il insulte les gens, il se moque des gens, il vole, il boit, il commet adultère et tout, ces choses-là. Seigneur, je veux que ma repentance produise des fruits dignes de la repentance. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Maria smelake wa ines mali talite. Balate mateta wa ines mali feliki. Bias mari anau aliba wa yes man sakrafa. Seigneur, je prie pour mes frères et moi-même. Laïda, pour mes soeurs et moi-même. Seigneur, donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, donne-nous de produire des fruits dignes de la repentance, dignes des enfants de Dieu. Garis manchake wa idres meravo belas melaïd au ali el kamaras. Seigneur, donne-moi de mener une vie conforme à ta volonté et à ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants qui produisent des fruits dignes de la repentance. Que les fruits de l'esprit soient vus en nous. Quel changement de mentalité, de comportement, de caractère, de parole. Seigneur, que nos vies soient influencées profondément et à 100% par la parole et sa plénitude dans nos vies. Nous prions que notre caractère soit brisé par ta parole, que notre caractère soit changé par ta parole. Seigneur, que notre volonté soit soumise à la tienne et qu'elle soit obéissante à la tienne au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Benoraban samarat wa ines prozen, l'autre ouvrage mansro. Encro, envro, enmra, esraï, wa inas mali fra. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que des fruits dignes de la repentance sont produits par nos vies. En cette journée, nous marcherons loin du mal, nous marcherons loin de la confusion, nous marcherons loin du péché, loin des souillures de la terre et nous te serons agréables. Au nom précieux souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec foi, l'Esprit de Dieu te remplit. Et tu deviens agréable à Dieu. Tu es agréable, tu es un chrétien agréable à Dieu. Tu n'es pas un chrétien qui est prétentieux. Ça veut dire qu'il parle des choses qu'il ne met pas en pratique, des choses qu'il ne vit pas. Oui, la vie de Dieu est ton partage et les fruits de l'Esprit sont ton partage et tu les produis en abondance par la foi dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Bienvenue sur cette plateforme si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît. Abonnez-vous déjà et likez. Appuyez sur j'aime et envoyez des cœurs. S'il vous plaît, faites-le. C'est pour que notre page soit aimée davantage. Et vous avez le numéro OM et puis Momo. Vous les avez ici. Vous avez les deux numéros. Vous avez le 672 13-03-23. Pour ceux qui sont dans le pays, pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif plus 237 672 13-03-23. Par ce numéro, tu peux envoyer ton offrande ou bien tes sujets de prière sur WhatsApp. Voilà. Je veux que le numéro, comme c'est affiché, ça reste là. Azoué Channel. Donc vous avez le 672 13-03-23. Précédé de l'indicatif plus 237 pour ceux qui sont hors du Cameroun. Donc, c'est le numéro WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp par lequel vous allez appeler tout à l'heure, après le message, ou par lequel vous pouvez envoyer vos messages. Voilà. Et pour ceux qui veulent bâtir un hôtel avec le Seigneur, ils peuvent envoyer leur offrande Momo à travers ce numéro. Et pour Orange Money, vous avez le plus 237 692 40 71 88. Non, 86, ce n'est pas 88, 86. 692, 40, 71, 86, 86. À la fin, c'est 86. Voilà, 692, 40, 71, 86. Là, c'est notre numéro Orange Money. C'est le numéro Orange Money. Donc, par ce numéro, tu peux faire bâtir ton hôtel. Depuis hier, nous essayons de bâtir un hôtel avec le Seigneur.
Donc, par cela, tu bâtis un autel ce matin et le Seigneur te bénit dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi tout à l'heure. Nous disons gloire à Jésus-Christ pour sa fidélité. S'il vous plaît, n'appelez pas maintenant. N'appelez pas maintenant, je vous en supplie. Soyons ordonnés. L'esprit de désordre ne vient pas de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non pas bon, de désordre. Un Dieu de paix et non pas de désordre. Voilà. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc, hier, c'était on bâtit leur autel devant le Seigneur en envoyant une offrande pour le ministère. Si tu ne l'as pas fait hier, je pense que tu peux te rattraper ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler de briser les limites avec Jésus-Christ. Et Dieu est en train de nous rementaliser. C'est une façon de parler. La rementalisation. Ouais. Donc, Dieu est en train de changer nos mentalités afin de nous rendre positifs dans ce que nous faisons. Alors, hier, nous avons parlé de quelle est la conséquence directe dans la vie du croyant de la mise en pratique de la parole de Dieu. Quelle est la conséquence? Donc, il s'agit de prendre conscience, il s'agit d'examiner à la lumière des saintes Écritures, que ce soit l'Ancienne Alliance ou bien la Nouvelle Alliance, d'examiner profondément dans les saintes Écritures ce que la Bible dit exactement du sort du croyant qui met en pratique la parole de Dieu, du sort du croyant qui se complaît à mettre en pratique les saintes Écritures. Parce que vous savez que nous sommes dans une génération où il y a tellement de confusion dans l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tenté de résoudre le problème de non, il a bâti la maison, il a trempé, il a construit une maison, il a trempé. C'est ça la mentalité de l'Église aujourd'hui. Et nous avons vu que c'est cette mentalité qui nous a fait prendre du retard et qui peut-être quelque part a même découragé certaines personnes à se battre. Donc les chrétiens donc sont devenus pauvres, médiocres, derniers, laxistes dans tout ce qu'ils font, vivant dans le laisser-aller, vous savez, et leur vie ne ressemble à rien, ne motive pas les non-croyants à donner leur vie à Christ, à venir servir le Seigneur avec nous aujourd'hui. On trouve donc que ce problème vient d'un certain évangile qui nous a été donné, que non, l'évangile de la prospérité est un problème. Et j'ai toujours dit que l'évangile de la prospérité n'a aucun problème, il est biblique. C'est l'évangile du matérialisme que Jésus-Christ a décrié dans Matthieu 6, versets 24 et 33. Verset 33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Il dit, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On a vu que Mammona, en grec, signifiait nos possessions, nos richesses ou bien l'argent. C'est un mot sémitique ou bien un mot qui provient de l'araméen qui signifie les richesses de quelqu'un ou bien ses possessions ou bien son argent. Donc Jésus dit qu'un croyant ne peut pas servir l'argent, ne peut pas vivre pour servir les biens matériels ou bien les possessions humaines, non. Donc, mais cependant qu'il doit servir Dieu, c'est Dieu qui est son Dieu et le reste, cela viendra pour lui permettre de bien servir Dieu. Donc, la prospérité, Jésus dit qu'on ne doit pas vivre pour la prospérité. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas avoir pour objet de son existence chercher l'argent ou chercher à posséder les biens de la terre. Non, il doit vivre, son motif premier doit être de chercher Dieu, de le servir, de lui être agréable, de mourir et d'aller au ciel retrouver son Dieu. Et ça n'exclut pas, Jésus dit que ça n'exclut pas qu'il cherche maintenant de l'argent et puis Dieu le bénira dans sa quête de l'argent, des possessions, des biens. Voyez, le païen fait des biens son Dieu, mais le croyant fait de Jésus-Christ son Dieu. Voilà tout ce que Jésus disait, tout en ne négligeant pas le reste. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait avec la dîme. Hein? C'est la même chose. Quand Jésus a parlé de la dîme, certains croyants ont dit non, ça veut dire qu'il ne faut pas payer la dîme. Et certains prédicateurs ont sauté sur l'occasion pour dire que la dîme n'est pas de Dieu. Voyez l'immaturité dans laquelle nous baignons, nous nageons, voguons et vaguons. Voyez? Or, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme de la nette, vous payez la dîme des insectes, la dîme des fleurs. Mais cependant, il n'y a pas en vous de miséricorde, il n'y a pas d'amour en vous. Et Jésus leur dit, ça ne sert à rien de payer la dîme si tu n'aimes pas ton prochain, si ton cœur n'est pas converti. Alors Jésus leur dit, la première chose à faire, là encore, la première chose que vous devriez faire, c'est d'aimer votre prochain.
c'est d'avoir de la miséricorde, de l'amour dans votre cœur et de la bonté envers les autres. Et il dit sans négliger le reste. C'est ce que Jésus dit. Hein. Il dit sans négliger le reste. Et les gens ont dit non, ça veut dire que Jésus a dit qu'on ne paye pas la dîme. Non, il a dit de ne pas négliger la dîme. Mais il apporte juste une éclaircie que il faut que nous comprenions que la dîme sans amour ne sert à rien. Donc, il faut payer sa dîme. Mais cependant, il faudrait aussi aimer son prochain. Vas-y, il dit, malheur à vous, scribes. C'est Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Écoutez, mes amis, vraiment, c'est dangereux lorsqu'un prédicateur ne prend pas le temps pour prêter attention à la langue dans laquelle il traduit la Bible. Parfois, moi, je suis nordiste. Je suis Fulbe. Fulani, mon père, Fulani de Garoua. Ma mère, Tika, de la Damawa. C'est-à-dire qu'elle est de la. Tous deux sont du nord. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas venir vous expliquer la Bible dans mon patois. Ou bien dans le patois, dans le Tikar, ma langue maternelle. Ou dans le Fulani, ma langue paternelle. Non! Pour être un bon prédicateur, je dois étudier d'abord la langue originale et originelle de la Bible, c'est-à-dire le grec et l'hébreu, et puis la langue par laquelle, le canevas par lequel je traduis ces versions originales, hébraïques et grecques, c'est-à-dire le français. Mon ami, quand on dit en français, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important, c'est-à-dire qu'il y en a important et il y a plus important. Ça veut dire quoi? Plus important, c'est le superlatif absolu. Ouais, c'est le superlatif absolu. Ça veut dire que c'est un peu l'hyperbole ici. Le superlatif absolu va avec l'hyperbole. Hein? Ce qui est plus important. Ça veut dire que l'ordre est important. Il y a des choses qui sont importantes et la dîme fait partie des choses importantes. Donc le sous-entendu, c'est quoi? L'amour est plus important que la dîme qui est importante. C'est tout ce que Jésus voulait dire. Jésus n'a nullement dit que le croyant ne doit pas payer sa dîme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Dont il est en train de parler ici, la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Sans négliger les autres choses. Les gens ont sauté dessus pour dire que la dîme, ce n'est pas bon. La dîme, c'est de l'ancien alliance. Jésus-Christ lui-même a parlé de la dîme dans la Bible. Voici ce qu'il dit sur la dîme. Il dit de ne pas négliger la dîme. Un croyant qui néglige la dîme n'est pas en train d'obéir à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit qu'en payant ta dîme, tu dois aimer ton prochain, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est la même chose que Jésus-Christ va faire avec les biens de la terre et le royaume des cieux. Il dit rechercher premièrement. Mais quand on dit premièrement, ça dit il y a secondement. Il y a deuxièmement. Ça dit que le reste aussi est important. De dire rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit clairement lui-même que tout le reste vous sera donné. Le reste là, c'est quoi? C'est les biens matériels. Les chrétiens sont devenus médiocres, esclaves des païens. Non, ça pose un vrai problème. Moi, je suis croyant, je crois en la vraie Église de Dieu. Vous savez, c'est des choses que nous partageons aujourd'hui, mais que parfois les gens, les conseillers ne peuvent pas parler ouvertement, mais qui vivent le contraire. La sainteté, ce n'est pas la pauvreté. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler, tu ne dois plus fréquenter parce que tu attends le retour du Seigneur Jésus, que tu ne vas plus aller préparer l'avenir de tes enfants. Mes amis, Dieu nous a mis sur la terre en tant qu'humains pour cultiver le jardin. Dieu n'avait jamais dit à Adam que reste dans le jardin si ça va se cultiver seul. Si tu ne travailles pas, personne ne te nourrira. Et l'apôtre Paul l'a dit clairement, il a été un bon modèle d'un chrétien qui travaille. Il dit, travaille de vos propres mains. Tes mains font quoi? Qu'est-ce que tes mains font? L'Ecclésiaste a dit, tout ce que tu trouves, que tes mains trouvent à faire sous le soleil, fais-le. Fais-le. Il ne faut pas avoir honte. Ne dis pas que non, je suis une belle fille, je ne peux pas aller être bonne dans la maison de quelqu'un. Si c'est par là qu'il faut commencer, il faut le faire. Oh, je ne peux pas être cuisinière dans la maison de quelqu'un. Si c'est par cette voie que Dieu veut que tu commences, il faut le faire. Moi, j'étais un moto-taximan. Ça veut dire que j'ai conduit la moto et conduisant les gens dans leur destination, à leur destination. Je n'ai pas eu honte. Je n'ai jamais eu honte de travailler. J'ai vendu les manques. J'ai vendu les manques pour ne pas être dépendant des autres, pour ne pas être comme un parasite. J'ai vendu les manques.
Ouais, j'ai vendu les CD dans les églises. Dans cette ville et comme à Douala, beaucoup de pasteurs me connaissent comme un ancien vendeur de CD. J'allais dans les églises vendre les CD que moi-même je montais. J'ai appris à faire des montages avec Adobe Audition. Et je faisais des montages sur l'islamologie, comment prêcher Christ en milieu musulman. Et après, j'ai commencé à organiser des séminaires dans les églises sans avoir honte. J'ai vendu avant cela les Bibles en audio dans les églises. Je n'avais pas honte. J'ai fait le bambé dans les marchés. J'allais dans les marchés, je porte les sacs des mamans. Je n'ai pas eu honte. J'ai eu à vendre les avocats dans les marchés, vendre le chai avec le pain dans les marchés. Je n'ai jamais eu honte. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai toujours compris que la valeur d'un homme s'évalue aussi parfois à sa capacité de se battre pour se nourrir sans dépendre d'une autre personne. Un vrai homme ne vit pas aux dépens de quelqu'un. Un vrai homme se bat, il fraye son chemin. Il y a des gens qui n'aiment pas le travail, mais qui aiment le fruit du travail, l'argent. Il y a des personnes qui aiment être aidées, mais qui ne sont pas capables de remettre du bout du doigt le travail, ne peuvent pas faire le moindre effort, ne sont pas partisans du moindre effort. Donne-leur le travail, ils vont te dire non, vraiment, je ne peux pas faire ça. Ou bien ils vont tourner, tourner, tourner comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne peux plus jamais aider une personne qui a son habileté à travailler. Je peux pas. Oh, donne-moi, donne, je ne donne pas. Je ne donne pas. Parce que je me suis rendu compte que j'ai permis à beaucoup de chrétiens à échouer. Beaucoup de jeunes hommes à échouer. Non. Tu dois travailler de tes propres mains. Mon ami, si tu me vois manger, c'est que j'ai les mains. Mes mains, là, ce n'est pas les pattes d'éléphant que j'ai. Non, non. C'est les mêmes mains que toi. Je n'ai pas 6 doigts. Regarde mes doigts. Donc, si j'ai pu travailler, je peux partager le fruit de mon travail avec toi. Je peux venir au secours et en aide à celui qui est invalide, qui est dans une incapacité prouvée. La Bible dit de faire le bien, mais pas de faire bêtement le bien. Tu ne dois pas faire bêtement le bien. Si tu fais, tu donnes l'argent à un paresseux, tu es en train de le tuer. Tu es en train de contribuer à l'échec d'un humain sur la terre et à la régression de l'humanité. Celui qui a les moyens doit travailler. Quand j'ai réfléchi à l'époque, je me suis rendu compte que mon ami, j'ai déposé le dossier partout. On ne m'a jamais appelé. Mais j'ai dit que je peux être un benskineur. Pour être benskineur, à notre époque, à moins que les choses aient changé aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller suivre une formation quelque part. Il suffit juste de trouver la moto. Quelqu'un qui a la moto, tu lui dis, OK, je peux conduire la moto. Tu apprends à conduire la moto, tu prends, tu es en route. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris à conduire la moto. Pam, je suis sorti. J'étais pasteur à l'époque. J'étais au séminaire de théologie des assemblées de Dieu. J'allais à l'école de lundi à vendredi. Et vendredi à 14h, je pense, on finissait, ou 13h. Quand on finissait, je prenais la voiture pour Mbanga, pour Douala. Dès que j'arrive là, peut-être à 17h, je prends la moto, je suis dehors. Je travaille jusqu'à 22h, 23h, minuit. Et puis j'ai mon argent. Je remets les 2 500 de la propriétaire de la moto. Et puis j'ai mes 1 000 francs dessous, bien mes 1 500, bien mes 2 000. D'après la grâce que Dieu me faisait. Je ne pouvais pas aller dire aux gens, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous n'avez même pas honte. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire, c'est te déshumaniser. Demander à gauche, demander à droite, demander à gauche, demander à droite, ce n'est pas une vie, ça, c'est une honte. C'est une honte. Et on voit aujourd'hui des jeunes femmes, de jeunes hommes qui font des enfants et portent ces enfants et portent la responsabilité de leurs enfants sur d'autres personnes. Non, c'est dangereux. Ou des jeunes femmes qui, au lieu de travailler, ont les mains croisées. Seigneur, tu vas me donner un mari riche. Quand j'aurai mon mari, le gars sera riche. Ça sera un prince saoudien. D'autres ont fait comme toi, on les a enterrés sans jamais qu'un nom leur fasse pss, 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 en route. Au lieu de bâtir ton destin sur Christ et sur les potentiels que Dieu a mis en toi, toi tu rêves qu'un jour tu vas épouser un Saoudien. Si le Saoudien la faisait comme toi, tu rêverais de l'épouser? Non, il faut faire attention. Chaque homme a en lui des potentialités, des pré-acquis, des pré-acquis qui doivent l'aider à devenir riche et à réussir dans la vie. Donc, le christianisme, le faux christianisme, on prie, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Et tu croises les bras. Tu ne vas pas à l'école. Tu vas travailler avec quel diplôme? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hautement compétitif. Un monde intellectuel où le savoir a augmenté. Quand tu vois un enfant de 17 ans, tu te dis qu'il a la maîtrise, tu sursautes. Tu te rappelles qu'à 17 ans, toi, tu faisais la sixième. C'est-à-dire que étais en train de composer le CEP. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes. Les chrétiens doivent comprendre, ils doivent se réveiller. La prière ne peut pas nous mettre au même niveau de compétitivité avec les non-croyants, ni le jeûne, ni le parler en langue. Non, c'est les études, c'est le travail. Les études, le travail. Tu dois aller à l'école. Les chrétiens se découragent.
Oh non, je ne veux pas à l'école. Le Seigneur m'a dit, et nous mentons tellement au nom du Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur fatigue au ciel. L'un des plus grands mensonges de l'église de Jésus, c'est Dieu m'a dit que. Ça, c'est le plus grand mensonge. Dieu m'a dit. Et Dieu dit, moi si, je n'ai rien dit. Dieu est en train de chuchoter tous les jours au ciel. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais. Dieu, dès que quelqu'un va arrêter les études, Dieu m'a dit d'arrêter les études. Dès que quelqu'un convoite une soeur, Dieu m'a dit que la soeur là, c'est ma femme. Dès que Dieu, un frère était venu me voir, il m'a dit, Dieu, il m'a frappé une fois comme ça. La deuxième fois qu'elle est venue là, je lui ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, mon frère, Dieu va te bénir. Quand Dieu t'a donné là, c'est pour nous tous. Oui, Dieu m'a dit qu'il va ouvrir une porte devant toi, que la porte là, tu vas marcher sur l'or. Jusqu'aujourd'hui, la porte n'est pas ouverte. Mais Dieu m'a dit, hein, que tu dois me donner 20 000. Que tu dois semer 20 000 dans ma vie maintenant. Si tu ne sèmes pas les 20 000, si tu vois, la porte là ne va pas s'ouvrir. Mais je sais que tu es quelqu'un qui est un grand semeur. Oui, tu es le plus grand semeur ici. Et je sais que tu veux que la porte là s'ouvre. Oui. Et Dieu m'a dit que tu as prié pour l'ouverture de la porte. Qui ne prie pas pour l'ouverture de la porte dans sa vie? Et il m'a dit, ok, comme tu donnes les 20 000 là, il ne s'est même pas demandé si j'avais ça. Dieu t'a déjà ouvert la porte par la foi. Parce que tu sais que Jésus a dit que quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir, non? J'ai dit oui. Je ne sais pas quand j'ai enlevé 20 000 pour de nos frères. Le lendemain, non, c'était peut-être 2 ou 3 jours. Quand les 20 000 que j'ai donnés sont finis, il est encore revenu. Il m'a dit, frère, la vision d'aujourd'hui est plus grande que l'autre jour là. J'ai vu, ce n'était pas la porte, c'était le portail. C'était entrouvé, ouang, comme ça. Le cadenas était brisé, non, puis ça a brisé le cadenas. Et Dieu m'a dit que si tu me donnes 50 000, je lui ai dit, je n'aime pas l'argent. Va dire à Dieu que cette fois-ci, je n'ai pas l'argent. Il a dit, comment frère, va m'emprunter quelque part, non? Je lui ai dit que non, non, je ne peux pas. Comment tu peux m'envoyer, Dieu peut m'envoyer aller prendre les dettes. N'est-ce pas, l'humain, il a dit que vous ne devrez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, il y a des frères comme ça qui marchent toquer les portes des gens. Il vient avec l'évangile et à la fin, il va te dire que Dieu m'a dit que tu me donnes un peu de riz, un peu de sauce, un peu de tomate, un peu d'oignon et tout cela. C'est une honte. C'est une honte. De telles personnes sont une honte pour l'église de Dieu. De telles jeunes filles. Tu vois une jeune fille, elle veut les mèches brésiliennes. Mais elle est paresseuse, plus qu'elle apparaisse elle-même. Incapable de faire le moindre travail, d'être partisane du moindre effort. Elle ne peut pas travailler. Mais c'est elle qui veut les belles mèches. C'est elle qui veut les faux ongles. C'est elle qui veut les faux cils. C'est elle qui veut les beaux vêtements. C'est elle qui désire être Sista Nyanga. Hein? Sista Nyanga. Mais cependant, va donc travailler. Elle ne veut pas. Elle va demander, elle frappe tel frère, elle frappe telle soeur voleuse, frappeuse, tif. Ouais. C'est l'église d'aujourd'hui, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école, au nom du Seigneur m'a dit que, et qui restent sans aller à l'école, et qui ne veulent pas travailler, au nom du Seigneur m'a dit que je dois le servir. Et il vient habiter à l'église, je dois le servir, je dois servir le Seigneur. Mes amis, sortez travailler. Depuis que tu le Seigneur m'a dit reste, le Seigneur a oublié de te nourrir. Comme quelqu'un m'avait demandé à l'école biblique. Tu dis que c'est le Seigneur qui t'a envoyé ici, j'ai dit oui. Il dit que, ok, et le Seigneur a oublié qu'on paye. Le Seigneur pense qu'on paye, on fréquence à crédit. Mais c'est ça la réalité. Nous associons Dieu aux âneries. Nous associons Dieu aux bêtises. Les croyants, hein, surtout les pentecôtistes, avec Dieu m'a dit que c'est devenu la sorcellerie. Dieu m'a dit que. Un frère a dit à une soeur que Dieu m'a dit que. Il faut que je prêche sur Dieu m'a dit que. C'est-à-dire, la marque déposée des pentecôtistes, c'est Dieu m'a dit que. I love you. God said that. Mensonge zéro. Dieu. Quelqu'un n'a même pas vu l'orteil de Dieu, même l'ongle que Dieu a coupé, il l'a jeté à la poubelle. Jamais. Un frère allait voir une soeur, il lui a dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Elle lui a dit non, je ne peux pas. Il lui demande que tu es qui pour refuser la volonté de Dieu. Tu es malade. Dieu dit que tu es ma femme, tu dis que. Hein? La soeur se met à pleurer, elle dit non, je ne peux pas, frère, je ne peux pas. Il dit que tu pleures pourquoi? Elle dit je pleure ma vie. Il lui dit que je dis, hein. Vous aimez quel genre de soeur? J'étais sur la montagne quand Dieu m'a parlé de toi. J'étais vu de ça en robe blanche et j'avais un costume noir et on se mariait devant le pasteur. Et c'est là que Dieu m'a dit, va voir ma fille et dis-lui quelle est ta femme. Que moi, je dis, hein, qui es-tu pour résister à sa volonté? Quand Dieu parle, tu dois te soumettre. Et tu pleures pourquoi? La soeur dit que je pleure pour ma vie. Il dit qu'elle quitte. La Bible dit, déjà, vous suivez tous vos soucis quand Dieu me prend soin de vous. Donc, quelle que soit ta vie, moi, je t'aime avec ta vie. Hein? Si Jésus t'a aimé, ce n'est pas moi qui ne veux pas t'aimer. Si moi je t'aime, à plus forte raison, le Seigneur Jésus, même si tu as bien comment, moi je t'aime. Dieu m'a dit, je suis un serviteur obéissant et docile à son Seigneur. Tu vois?
Pourquoi vous aujourd'hui? Dieu dit au frère, tu as dû rester. Depuis que tu as laissé un frère, il te dit que Dieu a dit que. Moi, il vient, il te dit que Dieu a dit que. La sœur dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas. Il dit que si ça peut te gifler comme ça, qui es-tu pour t'opposer à la volonté souveraine de ton Dieu? Je me demande si tu as cru. Elle dit, ma vie. Il dit, ok, ta vie, c'est même quoi? Parle même, raconte-moi. C'est quoi? Tu es ma femme. Parle-moi comme si tu parlais à ton mari. Elle lui dit que quand j'avais 16 ans, j'avais accouché avec 200 hommes. Il regarde comme ça. Après, elle lui dit que demain, je suis allé à l'hôpital. On a dit que je le VIH. Le frère dit charabara, bo, 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 bo. Et elle dit que récemment, on m'a appris que j'ai le cancer, que je vais mourir dans 3 mois. Il dit charabere, chakaraba. Merde. Après, elle dit que, mais comme c'est le Seigneur qui a insisté, j'accepte. Elle a, comme elle avait fermé, elle dit, comme le Seigneur a insisté, j'accepte. Elle a entendu comment le frère a fermé la porte. Bam! Le gars a fui. Voilà le pentecôtiste. Ça, c'est l'image parfaite du pentecôtiste. Un frère venu me voir, il m'a dit, le Seigneur a dit que ça, c'est ma femme. Moi, je connaissais la fille. C'est pour ça qu'on dit souvent aux frères et aux soeurs que quand tu veux pousser quelqu'un à Réma, il faut venir quand même, il faut parler aux anciens, parce que nous, on suit parfois des dossiers secrets. C'est ma femme. Je lui ai dit que non, va encore prier, laisse-la. Vraiment, si je peux te conseiller, mon fils, ça, laisse-la, cela, laisse le dossier, cherche une autre soeur. Il m'a dit, Allah wallahi, soumatallahi. Ça, c'est ma femme, Dieu m'a parlé. Papa, comment vous pouvez m'encourager à désobéir à la voix du Seigneur? C'est vous qui nous dites d'obéir à la voix du Seigneur. Je lui ai dit que frère, pardon, la soeur là, laisse-la tomber, laisse-la, cherche une autre. Je ne peux pas lui dire pourquoi. Il a dit non, je ne peux pas. Je demande, tu as quel âge? Il me dit que il avait 24 ans, c'est 22 ans. 22 ans, 21 ou 22 ans. Je lui dis que frère, laisse le dossier là. Cherche une autre fille. Il a dit jamais. Comme il insiste, il dit ok, go, va. Va donc. Il est allé. Il dit à la soeur que Dieu m'a dit. Il est pasteur aujourd'hui. Hein. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Tu es ma femme. Le Seigneur m'a dit. J'ai parlé à Dadi. Il m'a dit de venir. Ils ne vont jamais vous dire la vérité là-bas. J'ai dit à Dadi. Parfois, que quelqu'un me parle, je n'ai même pas compris. Hein. Et j'ai dit oui pour autre chose. Je n'ai pas dit à la fille que j'ai dit oui. Et donc, il arrive, il demande, il dit à la soeur que Dieu m'a dit. La soeur dit que gloire à Dieu. Qui suis-je pour m'opposer à la volonté du Seigneur Jésus? Allons-y alors. On va se marier quand? Il donne la date. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Il a demandé à la soeur, tu as quel âge? La soeur dit, j'ai 40 ans. Le gars est revenu en courant que non, Dieu m'avait pas, Dieu avait oublié de me dire son âge. Dieu m'a piégé. Le frère dit que Dieu l'a piégé. Hein. Et Dieu a oublié de lui dire de l'âge de la soeur. Dieu t'a pas piégé. Tu t'es piégé, toi, dans ta convoitise. Donc, c'est ça. Je disais à l'église hier, mon épouse, quand je l'ai croisée, je ne lui ai jamais dit que Dieu m'a dit que. Non. Ce n'est pas Dieu m'a dit que. Mon cœur m'a dit que. Donc, maintenant, quelle est la corrélation entre un croyant qui met en pratique la parole de Dieu et celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Laissons d'abord nos traditions fallacieuses, humaines, religieuses, dans la Bible aujourd'hui, qui sont devenues plus fortes que les préceptes, ces préceptes d'hommes qui sont devenus plus forts que la parole de Dieu. Quand un croyant met en pratique la parole de Dieu, sa vie doit refléter quoi? Somme chapitre 1, à partir du verset 1, lisons attentivement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est la sanctification, la conformité de sa vie à la parole de Dieu. Celui qui pratique la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est heureux. C'est le bonheur qui est dans sa vie et non pas le malheur. Il faut noter cela. Le bonheur suit ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui appliquent leur cœur à obéir au commandement de Jésus-Christ, à lire la Bible et à s'efforcer à la mettre en pratique. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, donc heureux ceux qui n'ont pas la méchanceté dans leur cœur, qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, parce que parfois il y a des amis qui sont méchants, et qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, donc qui n'est pas un pécheur, qui ne pratique pas le péché, mais qui mène une vie de sainteté, de pureté, de consécration à Christ, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Vous imaginez quelqu'un qui se sanctifie tellement que, quand il arrive quelque part et que les gens insultent Dieu, il n'est pas en compagnie de ces personnes, il ne les salue même pas. Ou bien il arrive, tous les gens qui sont en train de calomnier d'autres gens, des frères ou bien des païens, ils ne s'associent pas à eux. Ils ne s'assiedent même pas où ils sont. C'est ça que j'appelle le haut niveau de la sanctification.
Quelqu'un qui craint Dieu, quand tu arrives quelque part, les gens commencent à mal parler d'autres personnes, tu vas te lever et partir. Tu ne voudras même pas que leur péché pollue ton esprit par tes oreilles, tu vas te lever et partir. Tu arrives quelque part, tu arrives, les gens en train de comploter, tu vas leur dire ce que vous faites n'est pas bien et Dieu vous jugera pour cela, moins que ne vous repentiez, tu te lèves, tu pars. Tu ne t'associes jamais à ceux qui font le mal. Tu n'es jamais ami de ceux qui pêchent, de ceux qui sont méchants par leurs actes et par leurs paroles. Tu es donc en train de calomnier quelqu'un. Au contraire, toi-même, tu apportes encore le piment, tu pimentes ça. Chrétien, tu calomnies tellement, tu médis tellement des gens que ta bouche est devenue noire. Ta bouche est devenue noire. C'est ça la vérité aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus des gros calomniateurs. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas bénis. Tu travailles comme un sorcier. C'est comme si on t'a vendu une femme là. Rien ne marche. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Rien à la fin du mois. Tu travailles au... À la fin du mois, tu n'as pas l'argent pour le bailleur. Tu travailles au... Mais tes enfants sont toujours à la maison. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Tu travailles au... Toi, mais tu n'arrives pas à manger. Pourquoi? Parce que pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es menteur, tu es voleur, tu es calomniateur. Tu t'assois avec les pécheurs. C'est-à-dire que tu... Ce n'est même pas que tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Tu es pécheur toi-même. Ce n'est même pas que tu écoutes le conseil des méchants. C'est que toi-même, tu es méchant qui conseille. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, regarde ta vie. Est-ce que ta vie est conforme? Je dois faire attention à ma vie. Je dois conformer ma vie à la parole de Dieu. C'est une guerre. Parfois, ce n'est pas facile de le faire. Ça, c'est la vérité. Parfois, il y a des domaines difficiles où mettre en pratique la parole de Dieu devient compliqué. Mais si tu te forces et tu as la volonté, tu le feras. Il y a un adage latin. Les latins disent que hoc bolo, sit ubeo, hoc bolo, sit ubeo, sit pro ratione voluntas. Je veux et je peux que ma volonté tienne lieu de raison. Et il y a un autre adage latin qui dit homo sum humani nil ame alienum puto. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc ça veut dire que l'homme est capable de tout faire. Quand il y a la volonté, alors cette volonté te permettra d'aller devant. Paul a dit la bonne volonté lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc tu dois te conformer. Un bon chrétien dans ton lieu de travail, quand les gens veulent faire le magouille, tu n'es pas dedans. Et les gens doivent savoir, dis-leur que ça c'est mauvais. Quand les gens veulent frapper ton patron, au contraire, parfois c'est même toi le meneur de troupe, c'est même toi le frappeur principal. Tu frappes les chrétiens dans l'église. Écoutez, moi quand il s'agit de l'argent aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue, ils sont très peu autour de moi qui sont honnêtes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes honnêtes, il y a des personnes honnêtes hein, autour de moi. Des personnes que vous ne pouvez pas les accuser et dire. Et puis j'ai dit que non, ces personnes-ci sont en train de... Détournez votre argent. Non, non. Il y a des personnes honnêtes. Il y a des personnes honnêtes. Il y a des personnes honnêtes. Donc, il faut comprendre cela. Il y a des personnes honnêtes. Hier, j'ai posé avec une de mes filles à l'église qui m'a dit que non, il y a ma soeur qui a envoyé l'argent chez Maman Moukoko. Je lui ai dit que Maman Moukoko, c'est une personne honnête. Donc, je ne peux pas douter. Je ne doute pas d'elle. C'est une femme honnête. Donc, quand il y a quelque chose, elle donne des rapports propres. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un dont les rapports soient aussi clairs que Maman Moukoko. Je veux que les gens comprennent cela. Jamais. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui soit autant efficace, qui soit autant compétitif, qui soit autant clair, la clarté dans ses affaires comme Maman Moukoko. Jamais. Donc si vous lui envoyez votre contribution, sachez que ça arrive à destination. Donc, voici un peu cela. Donc, un chrétien doit être un modèle, un exemple. La Bible dit que ceux qui pratiquent la parole de Dieu doivent être heureux, non malheureux. Toi, tu pratiques la parole de Dieu, ta vie, c'est comme si on t'a vendu dans la sorcellerie. C'est que la parole de Dieu, c'est que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu prétends être enfant de Dieu, mais ta vie n'est pas bonne. Dans ton lieu de travail, tu es méchant, tu insultes les gens. Parfois, une chose passe, une femme passe, tu es au marché, tu es devant avec les païens. Mais c'est toi qui mets l'ambiance, la mauvaise ambiance autour. Les païens ne savent même pas que tu es né de nouveau. Non, bien, eux me témoignent que tu es un bon né de nouveau. Tu es déjà donné de nouveau, qu'elle les aime. Quand elle est ma, tu as regardé les fesses de la femme là. Aïe, ses fesses sont quelconques. Hein. Une femme vient parce qu'elle a du poids. Tu as vu la femme là, elle est nombreuse. Hein. Aïe, vous riez. Ouais, vraiment. Après, tu vas à l'église. Oh, j'ai travaillé, rien n'a été fait. Je n'ai pas gagné l'argent parce que tu n'es pas un bon chrétien. Tu es méchant. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'un vrai enfant de Dieu, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Jésus-Christ, dans la Bible, qui lit la Bible, la médite jour et nuit. Hein, ne lit pas seulement, mais qui médite. Méditer, c'est lire pour changer. C'est lire pour se laisser transformer. La Bible dit ceci, celui-là, ce genre de croyant, ce genre de chrétien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
qui donne son fruit en sa saison. La fertilité, la prospérité, la richesse, qui donne son fruit en sa saison. Quelqu'un qui vit dans l'abondance et dans un succès sans fin. Et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire qu'il ne connaît jamais de sécheresse dans sa vie, jamais de souffrance dans sa vie, jamais de pauvreté. Nous, on est des arbres au feuillage flétri. On est des arbres plantés au cœur du désert. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à ce qui a été dit au-dessus. Les chrétiens aujourd'hui, tu vas voir les chrétiens, que ce soit homme ou femme, ils veulent se marier avec les païens. Les sœurs qui cherchent les païens. C'est-à-dire que mariage à tout prix. Le blanc là, tu ne primes jamais que Seigneur fait que ce blanc soit né de nouveau. Qu'il soit quelqu'un qui est accru en ta parole, Seigneur. Non, Seigneur, donne-moi le mari, qu'il soit sataniste, pourvu qu'il ait l'argent. C'est ça, maman. Et beaucoup de nos sœurs à l'église sont devenues des adoratrices de maman sans le savoir. Beaucoup de frères gigolos. La première fois qu'une femme, une maman, elle m'avait dit d'épouser sa fille. Et sa fille était plus âgée que moi. Mes amis, je suis fou. Je lui ai dit que, en maths, je suis fou. Je lui ai dit que non, je ne peux pas. Elle est venue un jour, elle m'a trouvé avec une jeune sœur à la radio, on tente de causer. Elle m'a insulté, espèce de gigolo. J'ai demandé à la sœur là que gigolo c'est quoi. Je vous dis la vérité. Hein. Dans ma tête, gigolo, gigolo comme c'est un peu comme gibier. Dans ma tête, c'était qu'elle elle m'insulte que quand je suis nordiste, que je suis un vendeur de gigolo de viande. J'ai demandé à la sœur que gigolo veut dire quoi. C'est qu'il m'explique que gigolo signifie que c'est un homme qui vit aux dépens des femmes. Et elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais revu. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé d'épouser ta fille. Donc, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit deux points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. D'où vient-il que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, tout ce que nous faisons nous échoue. Tout ce que nous faisons nous échappe des mains. Ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas conformé nos vies à la parole de Dieu. Il est temps que chacun de nous se remette en question. Que chacun de nous se pose des questions. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je mène une vie qui exalte le nom de Jésus-Christ? Et la Bible dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, mes chers amis, la conséquence de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la prospérité, c'est le succès. C'est Dieu qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible le dit partout. De Genèse à Apocalypse, la Bible en parle. Dans l'évangile qui vous dit que les biens de la terre sont diaboliques, ce n'est pas pour le croyant, c'est un faux évangile. C'est une demi-vérité, ce n'est pas toute la vérité. Non, le croyant doit chercher d'abord. Il dit, la Bible, partout montre, Dieu insiste toujours sur mettre en pratique sa parole, conformer nos vies à sa parole, à sa volonté. Et la conséquence, c'est que Dieu te bénit dans les entreprises. C'est un peu cela. Donc, il faut retenir que je dois chercher à plaire à Dieu. Et quand je le fais, Dieu me donnera le succès dans mon travail, dans mes entreprises. Que Dieu te bénisse, je t'aime tellement. S'il te plaît, like notre page. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, abonnez et likez la page pour que Facebook puisse nous donner encore beaucoup d'autres opportunités. Et partage la vidéo aussi. Rassure-toi de partager cette vidéo, s'il te plaît. Ne quitte pas d'ici sans avoir partagé ta vidéo. Que Dieu te bénisse. La semaine prochaine, nous allons faire un grand travail. Nous allons faire un travail parce que Dieu m'a mis à cœur la prospérité, de ramener la prospérité comme étant, faisant partie du plan de vie des croyants de cette génération parce que l'Église doit se réveiller, elle doit devenir puissante. Et pour qu'elle devienne puissante, il faut que ceux qui la composent comprennent que nous avons pris beaucoup de retard et qu'il est temps de se réveiller, d'aller à l'école, de travailler, d'avoir de grands projets, de réaliser de grands projets, etc., etc., etc. Donc, la semaine prochaine sera une semaine de réalisation de grands projets et que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. On aura un service de lavement de la face qui sera synonyme de se séparer de toute malédiction, de blocage dans nos vies. Et je sais que cet acte prophétique aura de grandes conséquences comme les autres précédemment l'ont eu. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu peux appeler à partir de maintenant. Les numéros sont affichés. Vous les avez déjà. Et j'ai dit que le WhatsApp, c'est pour ceux qui ne sont pas au Cameroun. Voilà. Le numéro WhatsApp, c'est le 672 plus 237 672 1303 23. Plus 237 672 1303 23. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Et le 692 40 71 86. Donc, ça, c'est aussi le numéro pour Momo et pour Orange Money. Et nous avons une grande nuit de prière. Ce vendredi, vous êtes invités, vous qui êtes à Yaoundé, ça sera redoutable.
Dieu veut te bénir, Dieu veut t'introduire dans une autre dimension avec lui. Ne manque pas à cette nuit des flammes. Oh mon Dieu, brisez les limites avec Jésus-Christ. Toute forme de limite dans ta vie sera brisée. Dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Et dimanche, nous avons notre culte familial. Le dernier culte, le dernier dimanche de ce mois de juin, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons briser les limites familiales. À Douala, ce sera à 16h et à Yaoundé à 7h30. Donc viens avec ton offrande de famille, préparons nos familles, nos enfants à nous présenter devant l'Éternel. Il y a des gens qui négligent encore la consécration à Dieu. Vraiment, je pleure parfois sur ce genre de personnes. Le culte des familles est l'une des choses les plus sacrées dans notre ministère, l'une des choses les plus saintes dans notre ministère. Prépare tes enfants dès maintenant, prépare-toi et ta famille pour vous présenter devant l'Éternel. Chacun de nous avec son offrande de consécration familiale à Yaoundé et à Douala, et Dieu nous bénira au nom souverain de Jésus-Christ. Et j'aurai aussi un culte de consécration familiale à Bertois. Voilà, que Dieu te bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Nous allons commencer par prendre les appels ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et comme tu appelles, que le Seigneur te bénisse, tu nous dis ce que tu as retenu. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, vous appelez d'où? J'appelle de Yaoundé, Palais de Congrès. D'accord, qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement? Non, ce que j'ai retenu, nous devons pratiquer la parole de Dieu en tout temps pour accéder aux bénédictions. Nous devons méditer la Bible afin de nous laisser transformer au quotidien. Et ensemble, la conséquence de mettre toutes ces choses en pratique, c'est la prospérité. D'accord, merci. Bon résumé. Alors, vous avez besoin de prière ou bien c'est un témoignage? Je veux d'abord rendre témoignage deux choses, un témoignage et un sujet de prière. Je veux rendre témoignage de la journée de la conférence des bienfaiteurs hier. Ouais. Parce que hier, nous avons vraiment été bénis par vos enseignements. Et en plus de cela, vous m'avez localisé et vous avez décelé mon problème. Ce matin, mon sujet de prière, c'est pour mon concours de l'INAM et c'est pour ma maladie. Ouais. Parce qu'il y a une semaine, j'ai découvert une boule en dessous de mon aisselle. Je suis allée faire les examens, on m'a dit que c'était une boule bénigne. Que c'était? Une boule bénigne. Que c'était? D'accord, mais il faut enlever ça, ok? Oui, papa. Moi, dans ma tête, quand on parle déjà de boule, c'est préférable d'enlever. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ma fille soit guérie, qu'elle soit restaurée dans le nom précieux et souverain de Jésus. Toute main étrangère contre sa vie est anathème dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, Bertrand. Bonjour, vous appelez d'où? J'appelle de Bertrand. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'abord retenu pour ce message? J'ai retenu que les enfants de Dieu ne doivent pas rester en compagnie des méchants. J'ai retenu que nous devons changer de mentalité. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ces enseignements parce que vraiment, on se reconnaît dans toutes ces choses-là alors qu'on se fait appeler enfant de Dieu. D'accord. Alors, quel est votre... vous avez un sujet de prière ou un témoignage? J'ai un sujet de prière, David. Allons-y vite alors. Oui, j'ai le problème de santé depuis 2 mois. Et mon mari, on l'a enlevé son poste. D'accord. Père, je prie pour ma soeur et ma fille au nom précieux de Jésus, qu'elle soit guérie, toute maladie dans sa vie réprimée. Et je prie que ses paroles la transforment, que son mari soit restauré au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous, pour votre famille. Vous êtes restauré dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, les numéros sont ouverts. Les numéros sont ouverts. Et la nuit des flammes, c'est ce vendredi. Le numéro WhatsApp, le WhatsApp est disponible pour ceux qui sont loin. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est le prophète. Oui, c'est le prophète. Vous appelez d'où? Depuis Yaoundé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet enseignement? Ce matin, j'ai retenu que... Un chrétien doit savoir vivre en société et prendre sa vie comme pour tout le monde. Donc, prendre son prochain comme soi-même. Et abandonner et craindre Dieu en effet. Examiner vraiment. Vous avez un sujet de prière ou alors un témoignage? Oui, papa, j'ai un sujet de prière. Je veux qu'on prie pour moi ce matin par rapport à ma vie.
la restauration de ma fille dans le nom précieux souverain de Jésus. Et je prie pour tout le monde qui a aussi le même problème. Que la gloire de Dieu soit sur chacun de vous et la restauration au nom de Jésus. Amen. Voilà, quand nous faisons l'émission, restez à la fin pour recevoir la bénédiction de la journée. Alléluia. Donc, les appels WhatsApp, oh non, non, j'ai appuyé plutôt sur refuser. Je vais appuyer ici, voilà. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Allô. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Le temps. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô. Ça, c'est WhatsApp qui dérange. Hein. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Shalom, papa. Bonjour. Shalom, vous appelez. Oui, papa. Vous appelez d'où? Ok, on va prendre un national. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, vous appelez d'où? De Douala. De Douala, qu'est-ce que vous avez retenu du message de ce matin? Que nous ne devons pas nous asseoir des méchants. Mm-hmm. Que nous ne devons pas nous asseoir des méchants, des machins des méchants. D'accord. Et qu'on doit faire la volonté de Dieu. D'accord. Vous avez... Beaucoup se disent qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils ne posent pas les actes des chrétiens. D'accord. Alors, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? J'ai un sujet de prière. Vas-y vite. De toutes les façons, c'est pour mon ménage, pour mon foyer. Oui, allons-y directement. Oui, donc, j'ai un souci parce que mon mari a une femme avec qui il a fait l'enfant. Maintenant, il abandonne la maison. Il y a des moments où il est calme, des moments où il devient brut. Donc, du coup... D'accord. Seigneur, merci parce que tu restaures son foyer, que son mari revienne à la maison et que tout ce qui a été fait sur lui soit anathème au nom de Jésus. Merci pour la restauration au nom de Jésus. Amen. Prends ta bouteille d'eau, nous allons bénir la journée. Seigneur, merci pour cette eau, comme nous buvons, nous communions à ta table, Seigneur, et je prie au nom de Jésus-Christ que nos vies soient arrosées de cette eau fraîche. Tout ce que nous ferons en cette journée sera prospère dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, que tout acte satanique contre nous échoue et retourne à l'expéditeur. Que ta main forte et puissante parle en notre faveur. Distingue-nous, Seigneur, que cette eau soit le symbole de la fertilité et de la prospérité dans toutes nos entreprises en cette journée. Comme l'eau fertilise le sol, Seigneur, que cette eau ait un impact spirituel dans nos vies pour fertiliser nos vies en cette journée. Merci parce que tu en fais un instrument de bénédiction pour nous, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Bois un peu de ton eau. Voilà, shalom à vous. Bonne journée. Et souvenez-vous des sujets de prière que nous avons fait. Dieu te bénit ta journée et bénit. Sors léger de ta maison, ne t'inquiète pas, les anges du Seigneur t'accompagneront. Ce vendredi, nous avons Nuit des Flammes ici à Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé, ne manquez pas, venez très nombreux, mobilisons-nous comme un seul. Si vous n'êtes jamais venu à la Nuit des Flammes, vous m'écoutez, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui parle à votre cœur. Venez très nombreux, quel que soit votre cas, nous allons prier, briser les malédictions, les maladies, les limites dans nos vies. Et tout cela, et Dieu ouvrira une porte, une grande porte au devant de chacun d'entre nous. Et dimanche, culte des familles avec consécration des familles. Et vendredi, nous allons distribuer des mouchoirs ouin gratuitement à l'église. À tous ces serons là. Et dimanche, nous allons consacrer ces mouchoirs encore à l'Éternel. Et nous allons prier ensemble, on va célébrer le Seigneur. Et à Douala, le culte c'est à 16h à Yaoundé, 7h30. Préparons-nous à Douala comme à Yaoundé dans toutes nos églises Réma, ce culte de famille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.